Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le retour de la ferme française. Comme je l'avais dit, un nouveau départ, une nouvelle map. Et on se retrouve aujourd'hui sur la map de Holstein Farm. Une map signée Black Sheep de toute beauté. Donc, hein, sans plus attendre, on va y aller. Donc, petit récap du démarrage de la map, 0 euro. Honnêtement, on a aucun véhicule. Zéro, nada. Et là, pour commencer, je sais qu'il y a des petits cochons à trouver. Et on va aller chercher un petit cochon, et c'est ce qui va nous faire commencer la série. Normalement, je crois qu'il y en a un par là. Il est là, le petit cochon. Hop, là, et reviens là. Ah, attendez. Hop, hop là. Et voilà. Déjà, on commence avec 80 000 euros. Alors, par contre, j'ai pas vérifié. J'espère qu'on n'a pas de prêt. Non, on n'a pas de prêt. Donc là, c'est normal qu'il y a tout ça. Puisque j'ai tout vendu. Matériel aussi, il a fallu que je sème un champ d'herbe pour commencer. Et vous allez voir comment on va commencer quand même. Et il était vraiment temps. Encore merci à toute l'équipe de Black Sheep pour cette map. C'est magique, elle est magique. Bon, ouverture des portes. Ah, c'est pas celle-là. Voilà, waouh, c'est magique. Dans un premier temps, on a 80 000 euros, on a un champ, et c'est le champ qu'on a en face, donc le champ d'herbe. On va commencer avec un truc vraiment top. Avec ça. Et ouais, les amis, on va commencer avec ça. On va prendre comme ça. On la jette. Et c'est être le début de nos. Notre aventure. Donc pareil, une petite un petit news, allez, puisque la base de la en bois, c'est bien en bois, configuration de route, le système d'attache, on va mettre comme ça. Hop. Et nous on se met comme ça. Ok. Qu'est-ce que je veux dire? Je ne sais plus. Enfin, je suis tellement content qu'elle soit enfin sortie. On va prendre ça aussi. Et voilà, je sais. Sur la ferme française, donc, la version d'avant. Donc, le démarrage, on était chez Caz. Là, on va changer. Et on va partir chez nous. Chez nous Hollande. J'espère juste que par contre le petit. Ah oui, j'ai une palette d'anglais qui est restée là. Évidemment, je peux pas la revendre. Ce n'est pas grave. Oh, il y a un petit problème. Bon, ça peut se faire quand même. Là, on est bon. On va mettre la petite tondeuse là-dedans. Non, je crois qu'elle va pas passer. C'est où? Hop là. Tac. Et on referme. Voilà. Bah, en route. Hein. On va mettre les sons. Ouais. Et c'est parti pour le tout début de la suite de la ferme française sur Holstein, de Holstein Farm. Je l'ai attendu celle-là, mais je peux vous dire, elle est de tous côtés, je l'adore. Une map que j'ai toujours adoré, que ce soit sur le 17, ou le 17 a été, le 19 a été aussi. Et là, de revoir encore son retour, c'est waouh. C'est waouh.
magique. Du coup, bah, pour l'instant, on va tomber, vendre, tomber, vendre. On va faire que ça. Hein? Et après, bon, on va voir. On va peut-être acheter un champ d'herbe quand même. Ah, c'est ça que je voulais voir. Est-ce qu'il y a de l'herbe dans les vaches ou pas? C'est ça que je voulais voir. On verra ça tout à l'heure. Donc là, bah, on tombe, puis bah, on baigne tout dans le. Dans la remorque, on va commencer gentiment comme ça en fait. Tac, tac. Et si on va aussi, je dois placer un point de vente à la ferme, ça va être beaucoup plus simple. Alors, quel plaisir de se retrouver ici. Franchement. On va commencer ici, hein. On commence vraiment petit, hein. C'est le but. Par contre, ouais, on n'a pas beaucoup d'herbe. J'espère qu'on va bien vendre quand même. Donc là, on a vraiment zéro facteur, on n'a vraiment rien du tout. Hein. C'est vraiment le début. Hein. Attention les animaux, j'arrive. Hein. Non, mais vraiment, c'est du. J'adore. J'adore déjà. On va pas trop commencer, mais je sais que ça va être une bombe. Là, hop. On a fini notre tondeuse des plaines. Maintenant, il va falloir qu'on aille filer. Alors, est-ce que ça va marcher? Je n'ai pas essayé avant. J'espère que ça va bien se mettre dans la remorque, mais je pense que oui. Ah non! Ça va pas. On va prendre un peu plus d'élan, peut-être. Non, ça marche pas. Alors attendez. Je dételle. C'est mieux ou pas? Moi, je crois que c'est encore pire. Ah, si ça marche pas, je suis un peu déçu. Ah, si. Et voilà, c'est parti. Ah non! Non, ça marche pas. Ah, je suis dégoûté. Dégoûté. Ah, comment faire? Comment faire si ça sert à rien ce coup. Ça ne sert à rien. Bon, on va faire simple. On repart de zéro. Là, on va se remettre 10 000. Et au final, je n'ai pas essayé et ça ne marche pas. Voilà. Bon, changement de programme. Du coup, ce qu'il va falloir, c'est avoir une faucheuse. Faucheuse, déjà il nous faut un tracteur. Mais faucheuse, qu'est-ce qu'on a en faucheuse? Ces faucheuses-là, elles sont pas mal. Puisqu'en plus, ça fait le. Ça fait un landin, un seul landin directement. Donc peut-être qu'à l'arrivée on va prendre ça sur en location. Par contre il faut minimum 160 chevaux. Au début je voulais commencer avec ça mais on manque un peu de chevaux. Après attendez. Sinon un enduneur ça coûte combien le moins cher? Ah ça coûte 5 000 euros. Ah non bon on part sur un. Non. Faucheuse, faucheuse, tac, tac. Là, on a celle-là à 12 000 en faucheuse. Et après, on tape vraiment dans du très très gros. Je pense qu'on va partir sur celle-là. Minimum 40 chevaux.
Honnêtement, on est bien. On prend notre petit facteur. Il fait charger d'avant. Non, il ne fait pas charger d'avant. 39 000. Ah ouais. Il fait mal, mais bon, on n'a pas. Il y a des pneus larges, allez. On a la faucheuse, ça. Et un petit endaigneur avec ça. Je pense que celui-là, il peut être pas mal. Oui, mais attendez, on a. Ouais, non, c'est pas grave. Donc, on achète ça. Il nous reste 13 000 euros. Avec 13 000 euros, est-ce qu'on peut acheter une chargeuse? Non, malheureusement, on ne peut pas. Non, on peut pas du tout. Alors, comment faire? Comment faire? Bah, on fait que. On prend quand même ça, quoi. Mais en location. En location, ou alors on fait notre premier crédit. Ouais, on va faire ça plutôt. Notre premier crédit de 30, même pas 30 000 euros. Il nous faut juste 30 000. Hop, voilà. Comment on n'a rien en location et on part là-dessus. Pas beau ça, les amis. Ah, je peux pas le mettre à l'avant par contre. Voilà, on part vraiment sur de l'ancien. C'est le début. Part vraiment vraiment sur de l'ancien. Et c'est plutôt top. Moi j'aime bien. Là c'est vraiment un nouveau départ qu'on fait. Même là. C'est beau. J'en avais un autre qui était un peu plus joli. Le petit Ford, mais niveau chevaux, il est pas assez puissant, quoi. C'est le problème. Oui, il était très très beau. C'est chouette. Mais bon, tant pis. Hein. Voilà, on va commencer comme ça. Hein. Pas très grave. Le mode saison n'est pas activé. Les pierres sont activées par contre. Bah, tout le reste est activé sauf la mauvaise herbe. Et on est parti. Là, évidemment, on va pas avoir beaucoup d'air. Clairement. Après, c'est pas grave, on pourra accélérer le temps comme on n'a pas d'animaux. Ça va bien se faire. Moi, je pense que ce qu'on fera, c'est qu'on va cocher peut-être 3 fois et après on ramasse. Peut-être plus simple de faire comme ça. On aura vraiment pas mal de d'herbe d'un coup. Alors, je sais pas du tout par contre combien ça coûte l'herbe, mais je voulais vraiment vraiment partir sur un tout nouveau départ. J'ai oublié que ça va être beau. Là, on démarre vraiment avec que la ferme et un champ. Si on a les enclos ou des animaux, clairement. Là, je pense que de toute façon, on va vendre un peu d'herbe. Je pense qu'on va vite commencer à acheter des animaux puisqu'on va pouvoir acheter des moutons. Au moins, on aura ce qu'il faut pour donner à manger aux moutons. Ça va être plutôt intéressant. Après, évidemment, on va faire aussi des missions. Ça va être pas mal. On va faire pas mal de missions. Après, ça va pas vite, hein. Mais bon, c'est le début. Enfin, les buts à tout. Ouais.
C'est mieux de commencer comme ça, parce que, en principe, c'est pas sur la ferme française, avant qu'on vende tout, on avait un prêt de 1 million d'euros, je crois qu'on avait 2 millions de prêts, c'est énorme. Sur la ferme des 1000 vaches, c'est pareil, on a fait un gros prêt. Bon, elle commence à se rembourser, avec à 300 vaches déjà sur 1000. Ça avance bien, niveau lait, on n'est pas trop mal. Vrai que là-dessus, on est bien. En plus, j'ai un mode pour accélérer le temps de récolte. Enfin, pour récolter très vite. Ça va bien nous aider pour le début. On peut commencer comme ça avec un vieux tracteur. Oh, quelle beauté. Ça, c'est notre petite mascotte de la ferme. Enfin, c'est dommage, on peut pas mettre chargeuse avant. Enfin, c'est pratique. Hein. C'est bon pour faire des petits trucs, ça peut être pas mal. Par contre, il est très long à mettre la marche arrière. Ça, c'est un peu galère, par contre. Et là, on va commencer à gagner du temps en faisant comme ça. Ça va être pas mal. Ça fait 2 semaines qu'on a arrêté quand même la ferme française. Donc, dès qu'on a eu pas mal d'épisodes sur la ferme d'Univac. A bien avancé à ce point-là. Là, je vous dis peut-être que pendant une semaine, ça se peut qu'on fasse que la ferme française. Là, je suis tellement content qu'elle soit enfin sortie. Et encore, j'attends encore un mode de Black Sheep qui doit annoncer. C'est la faucheuse de John Deere. Je l'adore, celle-là. Là, sur le 19, on l'a eu et une bombe. Et en plus, normalement, on va pouvoir broyer aussi. Quand on récolte les champs, il y a des fois qu'il faut broyer. Avec la faucheuse, là on pourra broyer. Alors est-ce que c'est le cas de toutes les faucheuses? Je ne sais pas. Mais ce sera pas mal. Là on a juste acheté la faucheuse et on a le broyeur avec. C'est intéressant. Pour l'instant il n'est pas encore sorti. On va attendre un peu. La map est sortie, c'est déjà bien. En plus, je crois que sur le 19, elle est pas si chère que ça à côté. Elle est assez bas en prix. Là, par contre, on peut pas mettre le point de vente. Ah, j'ai oublié celui-là. Je vais mettre le point de vente. Va falloir quand même qu'on fasse un petit peu vite en fin. À moins que le point de vente il est proche de la ferme. Non, c'est bon.
Donc là, on est bon. Le point de vente d'herbe, il est où? Négociant bétail. Négociant bétail, je crois que c'est loin. Là, non. Ouais, il est où? Marché. Il est où le marchand bétail? Ah ouais, il est loin. Non, il nous faut un point de vente à la ferme. Production, point de vente. 15 000 euros. Tant pis, on s'est refait un petit crédit, mais là, on n'a pas trop le choix. Je suis peut-être oublié. Alors, par contre, où est-ce qu'on va le placer? Après, ce qui est bien, c'est que Blackship, laisser un bel emplacement ici. C'est assez intéressant. Je pense qu'on peut mettre ça comme ça ici, on garde la place si on veut mettre un bâtiment. Tac. Maintenant. On accélère un peu tout ça. On va pouvoir hop, on peut refaucher. On est reparti. Ah, je me suis trompé. Ah, c'est ça, mais du coup, il y a barre tout entre deux. Bon, on recule. J'ai accéléré la vitesse. Ça va aller beaucoup plus vite. Et les biches là dans la ferme. C'est ma faute, je vais essayer le portail ouvert. Il y a un problème. L'herbe elle repousse au fur et à mesure. Comment ça se fait? Bah ouais. Ça. Regardez-moi ça. Ça repousse au fur et à mesure, pourquoi? J'ai peut-être trop appuyé sur ma touche. Peut-être moi qui a fait la bêtise. Non, là c'est bon, là c'est arrêté. Ah non, toujours pas. Oh bah alors. C'est bon, tu peux arrêter de pousser, hein. Ah, je peux vous dire que là on va en avoir. Elles sont en train de repousser, donc ça s'arrête pas en plus. L'herbe repousse toujours autant, quoi. C'est un peu compliqué. Bon, si après ça l'herbe l'a repoussé, on va juste quitter le jeu. On va quitter la partie, la relancer. Je crois que j'ai trop appuyé sur la touche et tout a bougé. Tout est planté.
pourquoi ça repousse comme ça là? Ah regardez, ça repousse. C'est une bêtise. Pas juste relancer, ce n'est pas très grave. J'ai trop appuyé sur ma touche. Tout ce qui arrive. Après, c'est la première fois que je l'utilise. Je ne savais pas trop comment il marchait trop. Et... Normalement, on ne devrait plus avoir de problème. Bien, normalement. Si c'est le vieux, je vais se relancer. Oh bah alors, il a planté. Ah non, c'est bon, il est reparti. Il mettait un message d'erreur. Oui, ça fait du feu tout en dessous de ce peut-être ça. J'espère que l'herbe, par contre, elle a... Ah, c'est chiant, ça. Vraiment qu'elle arrête de pousser. Là, on va avoir de l'onde. Hein. On va avoir un sacré tas d'herbe. C'était un peu chiant. Regardez là, le sac que ça fait. Oui. C'est énorme. J'avais demandé de l'herbe, hein. Mais c'était pas autant quand même. C'est ça que je voulais refaire. Non, là c'est bon. C'est remis à zéro. Ça a quand même beaucoup d'herbe. En fait, j'ai acheté un endémir, mais peut-être que ça servait à rien. Je pense qu'on va les revendre. Au final, on passe la chargeuse directement, quoi. On va pas s'embêter. Hein. C'est un petit champ, donc on n'a pas forcément besoin. Un endémir. Ouais, je pense qu'on va faire ça. J'ai pas regardé si on avait quelque chose dans nos silos. C'est vrai qu'il y a des fois Black Sheep, on commence à laisser des récoltes de culture dans les silos. C'est bien qu'ils aient fait ça aussi, comme ça on peut vendre. Mais... Ça peut toujours nous rapporter un peu d'argent. Faut qu'on vérifie ça. On va vérifier tout ça après. On va revendre notre endémir, au final on va pas contredire. On n'a pas forcément besoin quoi, au final. Ça sert à rien de dépenser de l'argent pour rien. Autant garder le site qu'on a.
c'est top. Top qu'il ait laissé quelque chose dans le silo. Et mon champ là, d'herbe. Il y a de la biche, hein. C'est un paquet, hein. Ah. Ah, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il va pas falloir qu'on accélère le temps si on est en décembre. D'un coup, avoir de la biche partout. Ça aura pas l'air ça. Pas mal, hein. Je suis même pas sûr qu'on ait assez de place dans la chargeuse pour ramasser toutes les herbes qu'on a là. Honnêtement, quand je vois le gros tas qu'on a tout autour, ça va vite se remplir. Ça m'énerve. Pas comme ça. Ah, c'est pas mieux de ce côté-là. Et voilà, ça c'est tout. Dans les silos, on a quelque chose. Ah non, on n'a rien du tout dans nos silos. Quel dommage. Hier, vous m'y refait combien? Parce qu'on nous vend, ouais, 150. J'avoue qu'on est pas trop mal quand même. Bon, direction là, le magasin, chercher les restes. Là, on a 7000 euros. On a 7000 euros d'ailleurs. Ah ici oui, si, j'ai fait un peu plus quand j'ai mis de prendre bon. Oh, on a du vieux tracteur. Il est plus jeune les gars. Du coup on va vendre l'endemeur. On va pas forcément en avoir besoin. Mais 7000 euros. Par rapport à ce qu'on aura merde, on a beaucoup, peut-être qu'on peut acheter des moutons. Commencer direct avec des animaux. Les moutons,
besoin d'air. Après, le fait c'est que tu n'as pas forcément de tracteur adéquat pour travailler du terrain, travailler les champs, mais ça peut être pas mal. Pour l'instant, on peut pas avoir de trou, on n'a pas de moissonneuse. C'est vrai que là, on va voir combien on la revend, parce qu'on va la revendre tout dalle. On perd pas quand même. Va être un bouton, mais on l'achète. On la revend 13 000. On l'achète combien? En demi-heure, en demi-heure. On perd 2 000 euros, bon. C'est pas énorme. C'est pas énorme, donc à l'arrière on va acheter les moutons à la place. On aura de la laine. La seule chose qu'on n'a pas, c'est de plateau pour les moutons. Après, en faisant une ou deux missions, on va aller vite. On va aller très très vite. J'espère que le tracteur ne va pas avoir trop de mal à tirer de ses ailes. On va voir combien ça nous rapporte. Après, en premier, qu'est-ce qu'on va acheter? Peut-être un. Si on arrive à trouver un fumoir capable d'aller avec ce tracteur-là, ça va aller. On va commencer comme ça et ce n'est pas gagné. Ça, hop, dès qu'on a un fumoir, on peut l'idée et puis direct. Très bien, c'est bien de chez nous. Aussi, on a beaucoup beaucoup d'herbe. On a vraiment beaucoup. Ah, ça c'est mon quota aussi qui a fait. Regardez, on est plein. Il est déjà plein. On va dire 16 000 de 7 000 pour les. Ah bon, beaucoup, hein. Il y a même une petite unité. Je crois qu'elle était déjà. La merde. Et il a la moelle, notre tracteur. Il peine fort. Costaud, t'es bien. Alors, combien qu'une benne nous rapporte? Ça, je ne sais pas, par contre. Et ça rapporte pas des masses, hein. Faut vous le cacher. Un peu juste, juste. Ouais, c'est juste. Ah, ça nous rapportait 2 000 euros, quoi. 2 000 euros, ça vaut réellement le coup. De vendre l'herbe, quoi. Pas sûr. Hein. Plutôt stocker l'herbe dans un bâtiment à l'arrière. Et acheter des cochons, des moutons. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Pas rentable en fait de vendre de l'herbe. C'est pas du tout rentable. Ça coûte combien des moutons? Ah ouais. Ouais, là on part sur. Si on part sur cela, admettons, on peut en prendre combien? À 23 000. En prendre 40. Ouais, 40. Bon, allez. On est parti pour 40 000. Il n'y a besoin que d'herbe. Par là-dessus.
on a plus d'argent, mais c'est pour la bonne cause, on va vite en avoir. Moi j'adore leur ce portail là. C'est toujours bien, il est. J'adore. Je suis fan. Voilà, ça montait un peu moins vite, hein, tout ça, c'est chaud. Pas qu'on peut en faire. Beaucoup moins vite. C'est normal. En fait, vous voyez, on n'avait pas eu besoin de l'ingénieur, hein, finalement. La chargeuse, ça suffit largement. C'est qu'il y a trois entrées pour arriver à la ferme. On a le choix. On a vraiment le choix là-dessus. Alors où est-ce qu'on décharge pour les moutons par? Dans le bâtiment, je pense. Ouais. Enfin, j'espère que je vais arriver à y passer. Oh oui. Largement. Pas manger beaucoup d'herbe en fait. Ouais, c'est déjà à 100% quoi. Et où stocker l'herbe de après quoi? Ça, c'est la question. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout où faire. Ouais, il faut trouver un bâtiment après. Le problème, c'est qu'après, il faut la reprendre derrière. Après, on n'a pas de monnaie, on n'a rien pour reprendre l'herbe, quoi, en fait. À moins de faire des missions. Après, je ne sais pas ce qu'il y a en mission, mais à voir quoi. Soit ça ou alors pas trop de choix de tout ça. Pas grand chose en vrai. Là, même vendre l'herbe qu'on a là, ça sert à rien en fait, pas assez rentable. On peut garder une benne à chaque fois pleine. Il faut chauffer à mesure. Ça peut être pas mal. Quoi. On a quoi en mission? Ça rapporte pas de ouf. Hein. Rapporte pas de ah bah attendez on va se faire ça là bon ça arrangera pour trouver un truc ça arrangera il n'y a pas de bâtiment plus proche. Là, par exemple, je peux baigner ça là. Si on baigne ça ici, c'est un tas d'herbes.
Enfin, ouais. Ok. Réfléchissons un peu. Déjà, on va commencer par. Par exécuter encore une benne de. Terme. Parce que là, ça sera... on aura deux bennes en stock. Ça sera bien. Et après, ouais, par où commencer, je sais pas trop, à part faire du travail de champ, en encore contrat, en mission, pour gagner un peu d'argent. Et après, faut l'investir intelligemment, quoi. Ça, le truc. Et il y a un truc qu'on pouvait mettre. Là, par contre, je sais pas le plus. Une serre. Mais ça rapporte, ouais, ça rapporte pas du mal. Ça reste limite quand même. Ça reste bien, bien limite. Après, avec la laine, je pense que ça devrait démarrer. Mais il nous faut autre chose derrière. Ou alors, je vais faire un le problème c'est qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Pas derrière. Ça qui nous freine un petit peu, c'est l'argent. Puisque sinon, on peut acheter du blé. On peut acheter du blé, mais il faut de l'argent pour acheter du blé et du blé. Alors déjà, mettons fois 360. La laine est repris combien? Elle est repris 2000 euros. En fait, là, on va pas avoir. On va galérer un peu, je pense. Finaise, en plus. Va louer ça. Va louer le camion. Ok, je ne peux pas. Peux pas louer pour le moment. Ah ouais, puis faire comment va quand même aller vendre ça. On va voir combien que ça rapporte.
3000 euros quand même. 3000 euros, on peut peut-être le foutre. Je réfléchis. Dans une chargeuse, on peut pas mettre de l'huile, je pense pas. Chargeuse. Non, ça paraît. Ça paraît logique. Euros, ça fait mal. Hein. Après, on remarque qu'on a ça. On a fait là aussi. Ça peut être pas mal. 9000 euros. 9000 euros, mais là, il faudra tirer quand? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le truc, c'est qu'on perd plus d'argent qu'autre chose. Si on a le prêt. Ou alors, on a un prêt de 30 000. Ou alors, on revend notre tracteur, on embête un peu avec tous les nouveaux qu'on a. Le premier, quoi. Après, c'est vrai que le tracteur, il va pas du tout, en fait. Il a pas forcément la moelle. Et à la rigueur, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un... On refait un crédit au pire. Et sur le pays moco, oh mince. Oh bah alors. Le pays nous faut les tracteurs. C'est moi. Ah, c'est moi. C'est cool quand même. Il a pris une belle. Ah, c'est une belle. C'est ça qui nous bloque un petit peu. La belle. Là, on a 9000 euros, on peut acheter une belle. Le problème, c'est qu'on ne peut pas acheter de blé. Nos poules. Et on ne peut pas acheter de poules. La benne la moins chère, je pense qu'on va l'acheter, c'est celle-là, 9000 euros. On pourra un peu augmenter. Là, on met rien à 4000. Là, on a plus d'argent. Même si on est OK. On achète avec ça. Et on refait un crédit pour doubler les prix. Je pense qu'on peut commencer, ça peut être pas mal. Enfin, on avance le temps pour l'instant. Et on va laisser là. J'ai remarqué que j'ai acquis le temps, mais il doit être très étudiant. Sur. Ça permet de la nourriture du coup, à mes moutons. Nous, on aura plus à manger. On n'aura plus de laine non plus, on n'aura plus rien. On va chercher notre belle. On va mettre des poules. Okay. Alors, poules, par contre, on va se faire plaisir. On va les acheter pas cher. Il y a vraiment des poules assez récents et des jeunes poules, voilà. On achète des jeunes poules et comme on va accélérer pas mal de temps, on va pouvoir charger dans la bête directement sur le transport. Ça sera beaucoup plus simple.
Et après, bah, je pense que là, on va faire ça, puis après, bah, on va faire quelque chose. On va bien en faire. On aura pas le choix. Alors, on a nos moutons déjà, c'est pas mal. On n'a pas grand-chose à part un parquet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre un crédit. Je crois qu'on a pris un crédit. Oui. Faut pas qu'on ait des gros crédits non plus. Hein. Là, on a combien de crédits? Là, on est à 40 000. On s'autorise un crédit jusqu'à 100 000. Là, il nous faut 4, 4 de blé. Ça fait combien? Hein, ouais. Il nous faut 4 tonnes. En pierre morte. Voilà, maintenant, on va acheter nos poules. Là, on a 54 000 euros. Et maintenant, attendez, attendez. Ah non, c'est un kangou. Et le kangou, ça nous intéresse pas. Il va vraiment falloir aussi qu'on joue qu'elle sera sur les promos. Pour avancer assez vite. Et là, on n'a pas le droit de refaire de crédit. On n'a pas du tout droit. On se limite à 100 000 de crédit pour le début. Là, on a ce qu'il faut pour avoir de l'argent entre les poules et les moutons. Après, on a fait ça en matériel. Donc, c'est vraiment qu'on joue après derrière. On va faire en premier. Comment? Je pense que ça va pas vraiment qu'on se situe Kennedy, c'est sûr. Mais bien là-dessus. Les moutons, c'est bon, déjà. Les poules, quoi. Alors, comment je fais pour ouvrir la porte? Je peux pas vider. Je peux pas vider parce que j'ai pas du tout le sang. On peut mettre 150 poules, ok. Mais on coûte que 360 euros donc ça va quoi. Là, on part directement sur les 150 sous. Direct. Alors, pourquoi je ne fais pas vider ça? Ça, c'est un autre problème. Pourquoi je peux pas vider? Là, on a un problème. Faut décharger le monde, bah ouais. Gauche. Droite. Il y a beaucoup d'idées quand même. Et c'est plein. Ouais, c'est plein, 4 000. On fait une équipe, on va se mettre là. Tac. Accélère le temps. Donc là, on n'aura pas forcément d'œufs maintenant, forcément. Là, comment on fait dans tout ça?
parti, mais pas au final, hein, quand même. Donc, elles sont pas beaucoup mes poules là. On va juste aller vérifier par contre si nos moutons. Voilà. Waouh! Alors ça. On va tout décaler par là. On va laisser la place pour la laine. Tac. Voilà. On retourne à notre tracteur. Alors, est-ce que tout a mangé? Là, je vais mettre. On va faire un truc aussi qui va être plus simple. Ça va nous éviter tous les voyages. C'est assez loin avec ce petit tracteur là. C'est que je vais prendre 4 000 de blé en. Faire apparaître 4 lignes de blé dans la benne. On va faire tirer le prix du. Pas enfin, du vide, simplement. Remplir véhicule en. Ouais. Ok, là on est en blé, c'est parfait. On a 4 000. Oh, abusé! On a une grosse benne là. 13 000 euros. Ah ouais. 9 000. Hein. On a les moyens donc ouais bien quoi on pourra pas continuer avec notre mini-benne là qu'est-ce qu'on fait le problème c'est que j'ai encore du billet moi faisons dans l'ordre déjà on s'enlève les 4 000 euros de blé donc blé 1400 2008 2008, donc ça fait du 5600, 5600 en moins. Moins 5600. 11 000. Ah, je sais pas. Ouais, c'est pas grave. Je ne sais pas ce que c'est. On va vider notre petite benne. Là, à 13 000 euros, la benne, il faut le coup, hein, quand même. Là, ça vaut nettement trop et je pense qu'on va même l'acheter. Au moins, on a déjà une benne qui est pas chère. Alors ça, je peux faire ça en noir. Bon, ça, on n'a pas trop de choix, c'est en rouge là. Mille là on vend celle-là ouais. Ah ça va on la revend bien quand même comme elle est récente. Ce que je vais faire c'est que je vais juste essayer de mon tracker. Elle, on va la vendre. Voilà, au final, on va avoir acheté la benne à que dalle. Je pense qu'on va la revendre peut-être 9 000 là. Ah non, ouais, pareil. Pareil, pareil. Ok. Alors, par contre, on voit notre tracker, on voit la benne à côté. Comment vous dire que ça fait peur? Alors elle, c'est pareil, on va la remplir d'un coup. On va être tranquille. Alors 19 100 fois 1200, non 1400 le prix, je crois. Alors, attendez. Le prix de une bague, il est à 400. Multiplié par 1900.
Ça me fait 26 740. Alors, moins 26 740. Voilà. Bah là, pépère, ils ont chié. Ah, par contre, là, si on veut... Ah oui, mais mince! On a vendu notre... Ah, c'est malin, ça. Bah, tant pis, on va se mettre dans la benne. On a vendu notre plateau pour nos palais, tout. C'est malin. Après, on n'a rien en location. On n'a rien en location, je peux louer un camion palette. Un camion plateau. Ouais, on va faire ça. J'en ai un. Je l'ai pas essayé encore. Oh, ça va, il tire quand même. Il tire bien, même. Et il a peut-être un peu plus de mal à tirer. Je pense que le nez est un petit peu sevé, quand même. Et tu vas? Il va quand même. Ça va pas, on met de la nourriture aux moutons aussi. Alors déjà nos poules, clairement, mais les poules, ok, waouh, c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd, je confirme. Ok, on va louer, on va louer un camion, petit camion. On va essayer de trouver un petit tracteur en promo, c'est surtout. Même si c'est pas le tracteur qu'on aura, qu'on veut. Tant pis, quoi. Rien en location. On loue notre petit camion. Pour 2000 euros, on loue. Alors, ça risque de nous coûter cher, prix de location. Mais ça va être plus simple pour transporter toutes les palettes d'œufs et de gamme. Oh! En plus, normalement, je peux. Attends. Normalement, je peux prendre les palettes directement comme ça. Alors, je vais pas essayer. Alors, déjà, ça ne marche pas. Autoload R. Ok. Là, je suis sur de l'Europalette pourtant. Autoload R. Ah si, c'est bon, ok, ok, ok. Ah, peut-être que celle-là, ça prend pas, parce qu'elle est pas pleine à mon avis. Oui, c'est ça, elle est pas pleine. Du coup, ça veut pas la prendre. Du coup, là, ça nous fait R. Si, ça l'a prise au final. Alors, pourquoi ça veut pas galérer en vrai. Ça ne veut pas, je sais pas pourquoi. Ah, je suis bloqué en plus. Bah. Faisons ça à l'ancienne. L'ancienne comme ça. Hop. On n'a rien pour charger les palettes. Une solution, les amis. La solution, moi, c'est l'idée que je vais y aller. Mais je suis pas par contre.
Est-ce que là, ça me les prend en compte ou pas? Que là, ça me les prend? R, R, R. Bon, ça prend pas tout, mais ouais. Je ne comprends pas, mais bon, ce n'est pas grave. Là, on a 4050 litres de laine. Bien, on va vendre ça. On nous ramène un petit peu d'argent. Pas mal. Voilà, 10 000 euros en plus. Ça, c'est top. Ça, c'est un bon business de commencer par là, en fait. Les poules et les moutons. Ah, surtout les poules. Les moutons, bon, par rapport. Bon, après, mes poules, c'est pareil, ils font rien, quoi. Poules sont un peu radis. Ah, est-ce que, genre, là, il va détecter la palette ou pas? Et c'est pas la palette. Là, on perd pas mal de thunes, par contre, sur la location. Ça va être un peu galère. On va repasser encore une journée là. Je pense qu'on sera bien. Ok, j'ai plus de nourriture pour mes poules, pour mes moutons. Ouais, je suis à 0-0. Okay. L'emmerdant, c'est que maintenant, il faut que je récupère tout ce que j'ai foutu là. Ça, c'est galère. Je pense. Ah non. Non, il est passé en fait. Un peu cheaté, un peu. Normalement, tu ne vas pas comme ça. Mais... Normalement, tu n'avances pas comme ça dans ton tas d'herbe. Ouais, là, c'est la 60 places. Un petit peu de place. On va enlever tout ça, on va pas s'en sortir.
va essayer de vendre les œufs au meilleur prix quand même. Meilleur prix, c'est au mois de novembre. Ah non, on vient de passer novembre. Ah mince. Enfin, c'est pas grave, on repasse une année. Ce n'est pas grave. On va repasser une année. Les moutons, ils sont comment là? Ils ont plus d'herbe, ok. On va mettre un peu d'herbe aux moutons. On s'arrête en novembre. Je pense que je vais essayer de savoir d'herbe pour mes moutons. D'herbe à moutons. On a encore, mais pour le choper, c'est galère. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh, mais je peux pas racheter d'herbe. Bah, tant pis pour les moutons. Hein. Pour l'instant, les moutons ont pas d'herbe. On peut que s'occuper des trucs pour le moment. Ce n'est pas grave. C'est pas prévu à se faire. Comme je voulais faire ça assez rapidement pour être tranquille, Non, il n'y a pas grand chose du tout. Faut absolument que je pense à tous les jours par contre et regarder les magasins, parce que ça se trouve, j'ai plein de factures qui passent, mais je pense pas. J'espère pas. Ça va peine. On va quand même enlever la palette qui est là-bas. J'arrête pas à la laine. Ils n'ont plus à manger, donc ils devraient s'arrêter quand même. Normalement. Bon, on continue jusqu'à novembre. Un petit peu à manger avec poule. Non, on va faire attention. On est en novembre. Donc là, le prix d'ailleurs en baisse. Toujours en baisse. Toujours. Toujours. Bon. Possible. Ah mais là du coup maintenant il baisse. Okay. Comment faire du coup je suis à voir. On va essayer de tout charger là-dessus.
Là, on a pris toutes les palettes d'œufs et je sais pas pour combien qu'on a. C'est pas grave. On va vendre tout ça. Oh là là, c'est quoi cette galère là? Quoi ce plateau de 1? Ah ouais. Bon, au final, on revient au point de départ. Ça nous a rien fait du tout. Ça n'a pas fait grand-chose, on revient au point de départ. Et j'ai pas regardé s'il y avait un tracteur. Oh. Ah, attends, on va baisser le temps. On va prendre la laine. De laine, on a beaucoup beaucoup de laine. Alors, la laine par contre c'est un peu chiant à prendre, c'est un peu galère avec ça. Après déjà on va t'enlever. Déjà on a un tracteur. Donc camion, on va pouvoir le rendre maintenant. Y a tout là? Ouais. Ouais, je vais pas me faire avoir, j'ai mis les cendres. Alors, je sais pas pour combien on va en avoir là-dedans. Mais je pense pas mal, hein, y a... Ah, c'est tout. M'attendais à mieux, hein. M'attendiez nettement à mieux. Bon, 93 000 euros. Alors, déjà, location, toi, genre, partir. On a plus besoin de toi. Alors, lui, je pense qu'on va le revendre, c'est 25 000 quand même. Et à la place, on achète celui-là. On l'achète en. On peut peut-être le pousser un petit peu, non? Ça fait 89 000 alors que de base il y a... De base on l'a à 43. Et ça fait combien? 89, ah boy non. Oh non, on attend. Là on a ça, ok, on a notre premier tracteur. Maintenant c'est moi. On a 170 de chevaux. Ça, ouais. Le mort qui fait on a celui-là par exemple c'est du blé enfin, qui fait des oh, je sais plus. Après on a celui-là pour la ouais la même grandeur donc ça ne sert à rien et après ça fait ah non ouais il fait 3 mètres aussi ça ne change rien du tout ah bon on va prendre celui-là. Je vais prendre celui-là, il est 9, 33 000 euros. Bon. Après, on a tout. Honnêtement. On va juste. Hop là, voilà, on fermait en. Comme ça. Ah, ah, je vais être une bêtise. Ouais. J'ai fait une bêtise. Mais on va vite savoir la bêtise. Que charrue, charrue. On va acheter notre petite charrue. 24 000 euros. Bon. On va lui acheter une masse quand même. Petite masse. On va prendre une ça c'est bien.
On aura fait pas mal de choses, hein. Alors, ce qu'on pourrait faire là, peut-être, c'est du coup. Ah, je me suis trompé. Le truc, c'est que. Bon, alors, faut qu'on refasse une fauche. On refait une couche avant de recasser le terrain. Là, on a bien dit qu'on a mis tout. Oui. J'ai pensé à ça aussi. Est-ce que, alors on va voir le prix. On voit le prix d'abord. On va aller voir ça maintenant. Les hauts cochons sont un prix. On en a combien? Tac. Tu sais que, ouais, c'est bon, ouais. Ah. Non, on les vend cher. Les vend cher, mais sachant qu'on a acheté lesquels ceux-là? Non, ceux-là. Et on a commencé avec 40 moutons, on a 100. On peut déjà en vendre. Voilà. Là, ça nous fait, voilà, ça nous fait pareil. On en vend 40. Il en reste 20. Voilà, ça nous fait 38 000 euros en plus. C'est pas mal. Ah, ça se fout, le tracteur, il se décharge d'avant. Du coup, faut qu'on aille vers une malade. Simple. Ah, mais le problème c'est que tu peux pas avoir la même texture. Ah, mais une fois qu'il a planté, il va se garder. Non. Ouh. Est-ce que je vais avoir la même texture que ou pas? Ah oui, peut-être, ouais. Il y a moyen, je pense, que ça ou ça derrière. On va voir. Non, c'est pas ça du tout. Ça. Non plus, c'est pas ça. Alors ça peut-être, oui, c'est ça. Non, c'était pas ça non plus. Ok, alors peut-être ça. Ah, peut-être. C'est pas ça. Ah, c'est bien par là, là. Pas ça. Non, pas ça. Pas ça non plus. Oups. Oups, oups, oups. Après, il y a un petit mélange. Pas ça, pas ça, pas ça. Je pense qu'il y avait un peu de plus. C'est bien. Pas propre, quand même. Ni vu ni connu. Voilà, ça c'est fait. On va aller faucher.
Alors déjà, on va commencer par ranger notre deck qu'on a là. Dernier qu'on a tout bien. Bon, c'est bon, là, en un épisode, on va démarrer. Remarque la peine, voilà, c'est là pour le moment. T'as pas besoin. On va vite fait faucher un petit coup. Et limite, se faire d'une pierre de coup, c'est faucher et ramasser avec l'endémeur derrière. Pas beau ça? Ah non? Oui, j'ai ramassé. Ramassé là. On va gagner deux fois plus de temps en faisant comme ça. On fait 10 dés pour nos poules. Comment on fait? On ramasse tout au fur et à mesure. Ça c'est top. C'est un beau combo. C'est un très beau combo. J'espère que quand on aura encore besoin d'herbe, on aura des trailleux des coups, quoi. Ça, on fera des bottes. D'ailleurs, on a toujours un crédit sur le dos. Faut pas l'oublier, celui-là. Et qu'en plus, les crédits sont pas là-dessus. Seul. Non. C'est dommage, ça. C'était pas un prélèvement qui est mis en place, des mois. Ça pourrait être sympa aussi. De mettre des intérêts, bah hop, hein, voilà. Les intérêts soient calculés déjà de base, ça serait un crédit. J'en oublie, mais bon, on s'en fout, hein, parce que je pense à la pouvoir faire.
Là, ça va être bon. Et on va la bourrer tout ça maintenant. En fait, je suis qu'on a réussi à revendre des moutons. On a commencé à 40. Du coup, on a vendu 60. Non, mais pas, non, on a vendu 80. Parce que 20 moutons qu'on a vendu, pas où? Avec tout seul, ils sont 20, mais ils mangent. Vous savez qu'on a 5 000 de laine, mais c'est là où il n'y a pas les. Ça, c'est beaucoup de problèmes. Ça c'est fait. On va aller chercher neuf ce mois. Non, on va passer à changer là. Un petit coup de charbon là-dedans. L'affaire est faite. Par contre, il y a une cagnotte. Du panier, ça c'est super. Pour l'instant, on n'a pas de machine pour les cailloux. Ouais. Le tracteur n'est pas assez puissant.
mine de rien, on a réussi, enfin, on a, pas dire qu'on a triché, parce qu'on a quand même, diminué et tout. On va dire qu'on a accéléré le temps. Un peu beaucoup. Mais au moins, on a pu lâcher notre acteur, paru et un sous-bois. Et là, ce qu'il nous faut, c'est un petit peu à terre. La charrue, on va pas tout compenser à tout. Le camp, il y a besoin. Là, quand on aura un peu plus d'argent, bah, on pourra repasser notre facteur sur du 12, une isolant de jambes. On va changer un peu. On a une case, on a une case sur les vaches. Ah ouais, une isolante, ça peut être pas mal. Ah, j'arrive plus. Après, moissonneuse, bah, location, hein, on va pas commencer. Pour commencer. Après, qu'on se rajoute un autre champ aussi. Enfin, j'ai pas regardé encore les prix de champ. Il va falloir qu'on regarde. Avec le tracteur, il y a beaucoup, beaucoup de balles. Charlie là, je pense que c'est une petite Charlie. Regardez, il y a quoi en promo là? Ouais, on a une machine à traquer. Par contre, on n'a pas les fondeurs à ramper. Après, on peut en acheter. Ça, on aura déjà plus de... Ah oui, sachant qu'on aura de la paille. Ça, c'est pas mal aussi. On va mettre une petite presse. Je pense qu'on va faire que des presses rondes. Pas rond. J'aime bien le design des ronds. Pas mal du tout. Après, je crois que les rondes ça fonctionne. Ça c'est fait. On va chercher notre semoir.
Peut-être que tout ce qui m'a... Mon facteur, il va peut-être mieux y arriver, je pense, avec ça. Normalement. Et on va acheter un épandeur à Angers. Après, ça dépend si... De toute façon, en vrai, là, si le mort est fait, on va être à 50%. Pas entier. En plus, ça prend fait du blé. Alors, une palette de semences. Acheter une. On est parti. Plantation de blé. Notre premier champ en plantation, c'est beau ça. Beau. Je pense que même avec le semoir, elle va faire du mal. Il y a vraiment du mal d'ailleurs. Ça, on ne devrait pas avoir à re-remplir de ce mois normalement. Ça, c'est top, ça. J'essaie de mettre un ouvrier, voir si ça fonctionne.
Le mouton et nos poules, ça va. Je vais voir si c'est quand même le prix d'une poule fixée. Oh, ça va. Ah, 10 000 euros, on a quand même cher. 10 000 euros, on va être en plastique. Vous en pensez? Ça peut être pas mal. On met deux là. Là, au plus, c'est plutôt comme ça. Ça peut être pas mal. Hein. Le cerf, voilà, ça c'est tout. Par contre, je peux tout mettre en. Ah, en vente. Oh, ça va, 3 000 euros. Elle est petite. C'est vraiment petite celle-là. Là, j'ai jamais essayé, j'essaierai bien. Ça fait combien, 10 000? Oui, il gère quand même l'ouvrière. Je pense pas qu'il y ait des billets pour l'instant. Non, ça va. C'est un. Un ramasse-pierre. Machine à bêcher, c'est ça. Ah ouais? Ah ouais, là ça fait cher. 25 000 euros. Donc les petits, ils nous pourraient être là. Ouais, c'est pas. Bon, après, on va passer une petite journée après ça. On va laisser le billet finir. Et si c'est ça que je veux aussi. Par le prix des champs là 89 et là 50 000 pour le champ d'herbe. Champ d'herbe, ouais. Ah, ouais, 24 000. Ah mince, là pourrait être intéressant. C'est juste à côté de la ferme. Peut-être que le 2 était encore ouais, 15 000. Franchement, c'est ça, il peut être bien. On aura toujours quand même de l'herbe pour nous.
va aller mettre de l'eau sous vos desserts. Et après, on va passer un peu de temps. On va passer la nuit. On va voir si on gagne un peu plus tard. Ça, c'est pas eu pas tomber. Ah, où notre ferme? Et en route, les amis. Je sais pas par contre si on a une cuve à eau. Parce que sinon, on va en installer une. Ah. Ouais, une cuve à eau. Crois qu'on n'a pas de cuve à eau. Je ne crois pas que ça peut être bien. Peut-être là-haut, je ne sais pas. On met une là. Peut-être dans quoi ça?
Ouais, go remplir nos serres maintenant. Go remplir nos petites serres. Faut qu'on les mette par contre. Je crois que c'est le même prix pour tout. 3000. Ah non. Allez, tu aussi, c'est quoi? Janvier. Un peu fort. On va mettre en salade pour l'instant. C'était un faux que je pouvais passer à travers. Non. Non, non, non. On a dit, ouais. Trois citernes, ça devrait suffire pour les remplir. Et après, on va essayer de mettre essayer après une fois que ce sera plein l'extension de citernes à eau pour les serres. Faudrait qu'on essaye ça aussi. Après, ça coûte combien d'extension? 2 000 euros, ça rajoute.
placé près de l'océan, ouais. Ça rajoute 5 000 d'eau. Ah bon, on pourra pas, si on n'aura pas fleur. Du coup, ok, comme ça. Bon, encore une citerne après, qui va se mettre. Une niche. Normalement, si l'on voit être visible, ça va. Et voilà, on va faire le temps et on va voir si ça rapporte. Était à 3 000 euros. Là, on est à. Bah, ça n'a pas beaucoup changé. Mais ça n'a pas beaucoup changé. Par contre, on a des œufs. Ok. Laine, ok. Celui-là a commencé à pousser. Ok. Bah, voilà. Merci les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.